3, 2, 1, ha. Tu fais des loupes, d'accord. Oui. C'est bon, bah du coup. Ça fait rire déjà. Ouais. Mais tu parles pas, wesh. tu fais même pas le truc. Non, mais vas-y. Je faisais la meuf. Mais oui, mais c'est toi la meuf, c'est toi en rouge. Mais ouais, mais. Ah, je suis en rouge. Mais oui, c'est toi en bas. Ah. Ouais, oui, non, mais moi aussi au début, je me suis dit, c'est pas. Je pensais que c'était Ralph, mais en fait, non, c'est la meuf. Oui, non, mais oui, mais non. T'es gros trisomique, putain. Oh putain, les lags. C'est bon, ouais. Mais voilà. Est-ce que je t'ai manqué? Ouais, on pourrait parler une seconde, là. Attends d'abord, genou à terre. Quoi? Non, vas-y, vraiment. Vas-y, fais ce que je te dis. Bon, d'accord. Maintenant, tu fermes bien les yeux. Vanellope. Ferme. Tu l'as trop bien fait. C'est bon, tu peux les ouvrir. Pour tête de pioche? Ça fait plaisir. Retourne là. C'est moi qui l'ai fait, rien que pour toi. Au cas où on gagnerait pas la course. Même si au fond, je sais qu'il y a aucune... C'est très gentil. Écoute. Hey, je t'entends plus, mon ref. Allez, arrête-toi. Réfléchis. Oula, c'est dangereux. Finalement, cette course, c'est si important que ça, franchement. Ah, c'est pas drôle. Je te dis, c'est pas drôle. Non, je cherche pas à être drôle, je suis sérieux. C'était très sympa de construire cette carte avec toi, mais finalement, peut-être qu'on devrait en rester là. Allô? Oui, y'a quelqu'un? Ralph est là? Ce serait possible de lui parler? Ce que j'hésite de te dire, c'est que tu peux pas faire cette course. Quoi? Mais pourquoi tu... Attends une minute. Non. D'où tu sors ça? Bon, écoute petite, je vais être franc avec toi, j'ai parlé avec sa sucrerie. Sa sucrerie? Ouais. Tu veux dire que tu m'as trahi? Non, c'est pas ça. Écoute, tu comprends pas. Si, j'ai très bien compris. Traître. Non, je suis pas un traître. Traître. J'ai pas besoin de toi, je suis capable de gagner ma course tout seul. Et moi, j'essaie de te sauver la peau, tu m'entends? Repose-moi par terre, lâche-moi! Non, tu vas m'écouter. Tu sais ce qui va se passer quand les joueurs voient que tu bugs? Ils vont se dire, c'est fini, le jeu est cassé. Ma moque, t'es qu'un menteur! Tu diras pas ça quand ton jeu sera mis en service et tu comprendras non, quand tu vas disparaître pour j'ai toujours. Va-t'en, j'ai plus de force. Non, tu la feras pas! Écrache-moi bien, Ralph! Repose-moi par terre tout de suite! Non! Si je fais ça, c'est pour te protéger! Attends! C'est beaucoup trop drôle! Non, arrête! Oh, non. Non! Arrête, s'il te plaît! Non! Arrête! Non, mon fille, arrête! Arrête! Non! Ah, j'adore, c'est fort! C'est beaucoup trop drôle! Non, viens, on en fait un autre. Parce que là, on a vraiment pas fait sérieux. Sur perso, je me suis déconcentrée vers la fin. T'es vraiment un méchant. Je vais crever de rire. Je vais mourir. Voilà, c'est la fin. Finito, amigo. Wow. Vas-y, mets-en un autre de double cherche. En fait, c'est sûr, parce que je sais que pour un moment, on va faire cringe. Il est celui des blizzards, hurlant des déserts, cuissant. Il a grimpé vers la plus haute foutue salle, la plus haute foutue du tour. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Un loup qui se prenait pour une levrette. Qu'il est éculé avec sa princesse. Ouais, était déjà marié. C'est pas de ma faute. Qu'on mette le frein. Ah, Harold, tu m'obliges à commettre un acte que j'ai aucune envie de commettre. Où nous sommes? Bah du coup, personne le fait. Mon régime est foutu. J'espère que tu es satisfait. Ah, je voudrais deux cheese renaissance sans maillot, un double d'Albert. Un menu médiéval avec le jouet. Oui, un menu médiéval. Non, merci, s'il te plaît.
Harold à Marty Bacon ? Sans façon, je l'ai pas. Putain, mais attends, je suis en retard, du coup, j'ai eu un lag. Ouais, bon, ça, on s'en bat les couilles. Ne le casse pas cette fois. Notre marché était clair, Harold. Tu veux que de mon côté, je tienne mon engagement, n'est-ce pas ? Certes, oui. Donc, Fiona et Charmant deviendront mari et femme. Sans doute. Oh, crois-moi, Harold, c'est ce qu'il y a de mieux. Non seulement pour ta fille. Mais aussi pour ton royaume. C'est beaucoup trop drôle. Oh, mais comment tu veux que je négocie la chose? Oh. Ah. En faisant preuve d'imagination. Oh, lui, on fait des voix de merde sur les persos. Pardon, c'est théorique. En faisant preuve d'imagination. Doublage Disney. Mais c'est trop drôle, la Reine des Neiges. Oh, fais des voix de connard. Oui. Fais la plouf, plouf, plouf. Ce sera toi qui feras Elsa au bout de 3. 1, 2, 3. Tu fais Elsa, je fais Anna. Quoi? Elsa, non. Non, attends. Rends-moi mon gant. Elsa, je t'en prie, je t'en supplie. Je ne peux pas continuer à vivre de cette façon. Dans ce cas, va-t'en. Oui. Pourquoi il dit aussi un vif? Assez anal. Mais pourquoi tu décides de m'ignorer? Pourquoi t'en tu le dos au monde entier? De quoi tu si peur? J'ai dit assez! J'ai crevé. Quoi? Elsa? Et je fais tous les autres persos que tu la fais rouge. La madame là, la rouge. Moi je fais la toi, bleue. Tu fais et la les deux au côté. Et moi du coup je fais tous les autres persos s'il y en a qui arrivent. Ouais. Comme ça, voilà. Vas-y, lance. Et plus la matinée humide pour les super nanas. Qu'est-ce que. C'est pas moi! J'ai sûrement elle! Non, c'est toi! J'ai rien fait! Silence! Je suis sûre qu'il y a une explication rationnelle. Ah, je sais peut-être que la pluie est entrée par la fenêtre ouverte. Non, je crois pas. Peut-être que la plomberie a fait fuir le plafond. Non, le plafond est plus sec que le désert du Sahara. Belle, peut-être que tu as renversé ton verre d'eau dans la nuit. Je ne me suis pas levée pour voir de l'eau cette nuit. Peut-être que tu as dormi les têtes baissées et que tu as bavé sur les draps. Mais j'ai dormi la tête baisse cette nuit. Peut-être que le matelas d'eau a fui. Non, nous n'avons pas de matelas d'eau. Je sais que, alors peut-être quelqu'un a mouillé les draps cette nuit. Non, on fait des frites. C'est pas mon nom. Je ne l'ai pas fait, elle s'est sûrement rebelle. Elle était un peu trop sur l'offensive. Oh, je suis sûre que c'était belle. Elle dort tellement. J'en ai que des fous. Je sais que c'est elle. Mule, un vrai bébé. Certes, c'était forcément elle, j'en suis persuadée. Ah, on aurait dû se débarrasser de ce poulpe il y a des heures. On a été lamentables. C'est normal, on était toutes préoccupées et ça valait mal l'Empire. Enfin, je veux dire, ça valait mal l'Empire. On n'avait pas apparemment la tête ailleurs, c'est tout. Je suis sûre que ce n'était qu'un incident isolé et que tout sera redevenu à la normale dès demain matin. Maintenant, si ça ne vous ennuie pas, je voudrais bien me reposer. Bonne nuit. La ville de Tanzer, oh, nom d'une fuite. Dis-moi, Bulle, je sais que c'était toi. Ah oui, et comment tu sais que c'était pas elle? Rebelle, moi j'ai parlé les doigts. Tu es le premier à dénoncer ah quelqu'un. Ah oui, j'ai déjà quand même à te dire que c'était toi la plus distraite hier. Ah, tu crois que c'est un mébula d'avoir des problèmes de que oh, de nous deux. Oh, c'est très amusant quand on y pense. C'est toi alors qui est au milieu. Quoi? Je sais que ce n'était pas moi. Peut-être que c'était moi. J'aurais pas l'air, j'aurais pas pu le faire. J'aurais pu? La plus mal sûre, la logique veut que je sois innocente. Non. Au revoir les enfants, je vous retrouve demain. Au revoir. J'aurais bien besoin de... Ma petite belle, ça alors? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Alors, qu'en dites-vous, professeur? Je peux le faire. Des nuresies nocturnes est causée par de nombreux facteurs, et selon le type et la gravité de l'état de l'enfant, les causes habituelles peuvent être un manque d'hormones antidémétiques durant la nuit ou bien d'autres facteurs physiques. Et bien que les nuresies nocturnes disparaissent d'elles-mêmes avec le temps, le constat habituel des pédiatres modernes est qu'une nuresie nocturne laissée sans traitement peut provoquer chez l'enfant des effets négatifs sur sa confiance en lui et son évolution. Alors, tu dois être ravi que nous ayons eu cette conversation.
Alors, mademoiselle Kidd, vous comprenez le problème ? Ma petite belle, tu souffres d'un problème qui est tout à fait normal et commun à de nombreux enfants. Heureusement, cette situation se résout toute seule avec le temps. Alors, en attendant que ça passe, voilà un peu de documentation que tu peux lire. Alors, qu'est-ce que vous en dites ? J'ai vraiment besoin de l'opinion d'un expert. Mais tout le monde a ce genre d'accident un jour ou l'autre. Certaines personnes plus que d'autres. Mais c'est pourquoi je porte ceci. C'est discret et confortable, cela vous procure la liberté et la confiance dont vous avez besoin. Tu vois, c'est écrit ici. Attends, mais ne t'en va pas. Ça pourra changer ta vie. Cela t'évitera de désagréables sensations et te rendra ta prime jeunesse. Mon sang, je suis épuisé. J'ai du mal à garder mes yeux ouverts. Bon, alors, on est qu'à se dire bonne nuit. Dormez bien. Et surtout, pas de bon rêve. Dormez bien. Ça va être drôle. C'est pour ça que tu l'as fait, mon bon Jojo. A voulu. Non, c'est parce que je ne vous aime pas. Quel connard. Oh, vous auriez dû voir vos têtes. C'était toi. Ah non, c'était toi. Il est là, c'était tout. T'as fini de rigoler ce trou du cul? Ouais, il va la fermer, oui. Taisez-vous, ce n'est pas ce que vous croyez. J'ai passé ma vie avec vous. Ce n'est pas drôle. Taisez-vous. À nous deux. Allez, ouvre la bouche. Tiens, c'est nouveau. Ça se mange, ça? Qu'est-ce que c'est? Ok, excusez-moi, j'ai envie de laisser faire les pros. Non, mais c'est quoi cette C'est des cons. Elle est là pour empêcher Riley de s'empoisonner, physiquement et socialement. La couleur m'inspire pas, c'est pas top au niveau de la forme, attendez. C'est du bon brocoli. Voilà. Voilà, j'ai juste de sauver la vie. Ouais, je sais. Riley, finis ton assiette ou tu seras privé de dessert. Quoi? Pas de dessert? Non, mais attends, il est sérieux, lui. Colère. Il est très à cheval sur la justice et l'impartialité. Riley, regarde le petit avion. Oh, un avion. Un avion. Oh, pas l'île de l'amitié. Oh, Riley, aimez tellement, il en reste rien. Au revoir, amitié. Bonjour, solitude. C'est pas grave, la route sera un peu plus longue. Oui, elle sera longue, 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 longue. J'suis prête. Il y a sûrement un meilleur moyen. Oh. Ah, toi t'es mon copain, je t'aime bien. Toi tu viens avec nous, mais pas toi, non. Mais la rigole, tu viens avec nous. Bonjour. Ah. Quoi? Hey, il revient. Attends, fais le monsieur, parce que du coup, toi, tu fais tristesse, mais tristesse, elle est plus là. Je sais pas. Je te vois. Je voulais, je suis seulement diversion. Quoi? Salut, c'est toi, le chat. Ah, j'ai mal. Mais attends, je crois que je te connais. Oh, t'es pas la première à me dire ça. Je ressemble à tout le monde. Non, je suis sûre. Bing Bang, l'ami imaginaire de Riley. Je veux dire que tu m'en es vraiment. Évidemment, Riley adorait jouer avec toi et tu étais son meilleur ami. Ah, oh, tu dois connaître le chemin, on essaie de rentrer au quartier général. C'est du... Moi, je sais, ouais, je m'appelle Joie et elle, c'est Tristesse. Tu es Joie de Yael, la joie. Mais qu'est-ce que tu veux faire dans le monde de secteur? C'est une bonne question, tu veux répondre, Tristesse? Bon, mais sans toi, Riley, le monde serait malheureux. Il faut qu'on te ramène. Oh, j'ai une idée, dis-moi. Oh, merci beaucoup, je suis tellement contente de te revoir. Oh, je t'adore, t'es le meilleur, je suis vraiment super fun. Vous avez même formé un groupe, Riley, toi tu te rappelles? Je suis allée aller voir tout au concert. Hein. Mais si, si, je la trouve comme personne. J'adore me rendre du gauche, hein. Pour les champions du monde. Oh, et votre fille est tout en bien signal. Bien sûr, c'est la chanson des professions. C'est vrai, votre chanson, je l'aime bien avec moi. Bang, 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 bang. C'est ma fille, c'est moi, j'ai un instal, bing, bang, bing, bang. C'est pas tout à fait clair. J'ai le ventre en barre de papa. Et pour le reste, je tiens un peu de chat. Un peu de l'éléphant. Et un peu du dauphin.
Ce qui est trop drôle. Et un petit dauphin.